Avec ses 184 élèves inscrits à la rentrée, le collège Patrick Baudry de Nouâtre paraît promis à la fermeture pour la saison scolaire 2011. Mais le maire de la commune entend se battre jusqu'au bout pour cet établissement et craint que le territoire soit déstructuré un peu plus encore. On ne peut pas fermer un collège dans une agglomération comme on peut fermer un collège en milieu rural. L'impact n'est pas le même. Nous, on a d'autres besoins, d'autres demandes. Les transports en commun ne sont pas aussi bien desservis qu'en agglomération, etc. Donc derrière, ça entraîne tout un tas de choses. C'est pour ça qu'avant que le coup prétombe, il aurait été de bon ton de pouvoir en discuter et de voir comment est-ce que l'on pouvait aborder la chose. J'avais prévenu dès le départ, dès que Madame la Présidente est venue faire présentation de son budget à Sainte-Marie-de-Touraine, à notre chef de canton, je l'avais interpellé à ce sujet. Et de toute manière, j'ai dit à cette époque-là que j'userais de tous les moyens dont je dispose pour faire en sorte que ce collège soit maintenu, et je ferai en sorte que ce collège soit maintenu. Sur les 56 collèges actuellement en Indre-et-Loire, deux risquent donc la fermeture en 2011, Pasteur à Tours et Baudry à Nouâtre. L'objectif à terme, c'est qu'il reste un collège par canton. Une considération sociologique et démographique pour le Conseil Général, pas forcément économique. Pour les collèges, ce n'est pas du tout une économie que l'on souhaite faire. Et si, suite à la fermeture des collèges, il y a de petites économies de fonctionnement parce que les collèges seront fermés, ce gain-là sera distribué au service des collèges. Donc il n'y a pas d'économie à faire là. Et j'ajouterais que si on voulait vraiment faire des économies, il y a beaucoup de collèges que l'on ne fermera pas et que l'on pourrait fermer. Pour des raisons d'économie, je pense notamment au collège que l'on souhaite maintenir absolument parce que c'est un collège sur le canton, même si ce collège n'a pas beaucoup d'élèves, mais on le maintiendra. Les syndicats de leur côté ont eu l'assurance que les agents techniques du collège de Nouâtre seraient replacés dans d'autres services non loin de la commune. Nous étions un petit peu inquiets parce que nous pensons que pour les personnels enseignants, évidemment, il y aura des mesures de carte scolaire et qu'ils retrouveront un poste dans un autre établissement. Mais pour les personnels ATOS, nous avions peur, enfin pour les ATTE, maintenant ça s'appelle depuis qu'ils sont au Conseil Général, on avait peur qu'il y ait pas, que ces postes-là ne soient pas redistribués. Et le Conseil Général s'est engagé donc à remettre ces postes dans les collèges, et y compris à permettre à ces personnels, parce que Nouâtre, c'est quand même loin de beaucoup de choses, de leur permettre, y compris de postuler dans d'autres poste du Conseil Général qui se trouverait près de chez eux. À partir de septembre 2011, les élèves de Nouâtre devraient alors être dispatchés sur les collèges de Descartes, Richelieu et Lille-Bouchard.